Une année et j'ai reçu, je vis avec le sang de quelqu'un d'autre que j'ai reçu. Donc c'est grâce à quelqu'un qui m'a sauvé et j'ai cherché à voir cette personne, qui est cette personne qui m'a sauvé la vie. Comme j'étais donneur à la banque de sang, la banque de sang m'a octroyé facilement le sang, sans discuter. Et on m'a rapidement permis de voir qui m'a donné son sang, me donner tout le contact. Et je suis rentrée en contact avec cette personne. Je lui ai dit merci de m'avoir retourné mon sang. Donc, tandis que tous les mois, je partais, chaque deux mois, trois mois, je partais avec mes amis, on va donner des sacs. On a eu quatre et on est donneur universel. Donc, j'encourage tout le monde à donner le sang. Donner le sang, c'est sauver la vie. Sauver la vie. Vous êtes des agents de santé, oui ou non? Oui! Vous êtes des agents de santé, oui ou non? Oui! Santé plus! Oui! Donc, je suis le docteur Siliba Bengali, promoteur du centre technique de formation santé plus. Pourquoi vous avez initié l'activité de don de sang? Une activité de don de sang, tout simplement pour sauver des vies humaines. Vous savez que notre établissement existe il y a 10 ans. Les élèves et étudiants sillonnent les structures sanitaires. Ils sont toujours au chevet des malades. Ils ont vu comment c'était un besoin du sang pour leur survie. Et en plus de ça, nous formons des biologistes. Notre formation depuis c'est axée sur la fonction de biologiste qui depuis combien d'années travaille avec au CNTS pour les lieux dans les lieux de stage. Alors, il est clair qu'en ce moment, le fait de voir des besoins, ces jeunes élèves étudiants ont voulu tout simplement solliciter pour qu'on organise une cérémonie de don de sang. Pour qu'eux-mêmes puissent participer, comment dirais-je, de sauver la vie des humains. Et actuellement, ils sont combien? Combien de poches à peu près vous espérez avoir? Bon, autant de poches que vous voulez, c'est parce que ça va dépendre de ceux qui veulent. Parce qu'ils sont très nombreux, ça va dépendre des volontaires. Alors, même si vous parvenez à avoir 100 poches, pourquoi pas? Si c'est nécessaire que ces poches puissent apporter quelque chose, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de problème en cela. Est-ce que vous allez inscrire cette activité dans vos activités? Justement, je l'ai dit tout de suite. Moi, j'ai souhaité, le mot de bienvenue. J'ai dit que ce serait continuel. Chaque année, peut-être une période de l'année, au mois de décembre, nous allons organiser la journée de don de sang. Et peut-être on pourrait même élargir par rapport à d'autres domaines pour faire en sorte que l'école Santé-Plus puisse y réunir beaucoup plus sur toute l'étendue du territoire malien. Vous savez que nous avons eu à former beaucoup d'élèves étudiants. Ce n'est pas maintenant. Ça fait 10 années que nous sommes là. Et vous savez que les deux dernières années, on a eu à former plus de 404 élèves étudiants qui sont sortis et qui sont au niveau des structures. Il y en a qui ont été admis concours d'entrée à la fonction publique, qui existe un peu partout sur toutes les traînées du territoire. Alors, je voudrais vraiment insérer cette activité parmi les activités que nous menons pour faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on puisse mieux parler de l'école Santé-Plus. Pour nous, ce n'est pas seulement former les élèves étudiants, mais aussi de participer à la vie active, de faire en sorte qu'on puisse sauver des vies humaines. Voilà.